La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Panot. Alors on l'a bien compris, vous êtes définitivement fâchés avec nos institutions. Parce que le programme que nous mettons en œuvre, Madame la Présidente Panot, c'est celui sur lequel le Président de la République a été élu. Et définitivement, vous ne l'admettez pas, mais ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais Emmanuel Macron que les Français ont choisi. Et je vous le confirme, nous continuerons à mettre en œuvre le programme pour lequel le Président de la République a été élu. Et vous, de votre côté, Madame la Présidente Panot, c'est grave ce que vous faites. Vous mentez aux Français. Vous mentez aux Français. Du matin au soir, vous mentez aux Français. Vous voulez faire croire qu'on pourrait d'un trait de plume rayer 18 milliards d'euros de recettes pour notre système de retraite. Alors une fois, pour une fois, dites aux Français ce que vous proposez. Vous proposez de baisser les pensions, vous proposez d'augmenter les cotisations et de baisser le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour une fois, dites la vérité, voyez Madame Panot. Et vraiment, vous êtes fâchée aussi avec le fonctionnement de cette Assemblée nationale. Vous avez fait de l'obstruction à cause de vous, Madame la Présidente Panot, malgré 80 heures de débat. Vos collègues n'ont pas pu examiner au-delà de l'article 3 de la réforme des retraites. Et maintenant, après l'obstruction d'un texte qui a été approuvé, qui a été validé par le Conseil, mais qui a été validé par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Vous proposez d'abroger la réforme. C'est tout à fait représentatif de ce que vous êtes, Madame la Présidente Panot, et de ce que vous représente votre groupe. Des propositions, jamais. Mais par contre, attiser les colères, empêcher le Parlement de fonctionner, c'est ça votre mode de fonctionnement. Pour notre silence, pour notre part, ce que nous voulons, c'est proposer des réponses aux Français. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'engagerai des concertations avec les organisations syndicales et patronales pour construire des nouveaux progrès. Je vous remercie, Madame la Première ministre. La parole est à Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre, vous occupez votre poste depuis un an sans que personne ici ne vous ait accordé son vote de confiance. Depuis un an, de 49-3 en 49-3, vous assurez le service après-vente des caprices du Président de la République. En l'espace d'un an, vous avez fait de notre pays une poudrière. Bravo, Madame la Première ministre, quel anniversaire. Aujourd'hui encore, le Président de la République vit dans une réalité parallèle. À présent, Emmanuel Macron est le seul qui croit encore en Emmanuel Macron. Vous êtes les seuls dans le pays qui croient pouvoir tourner la page. Nous vous répondons jamais. Jamais nous n'accepterons que vous voliez 2 ans de vie aux Français, 34 000 euros de retraite à chacun d'eux et que vous les brutalisiez au propre comme au figuré. Le pays tout entier est opposé à votre réforme, les syndicats comme le Parlement. Bravo, Madame la Première ministre, quel anniversaire! La Macronie se vit à présent comme une citadelle assiégée. Alors, vous diabolisez l'alternative politique que nous sommes, en même temps que vous banalisez l'extrême droite. Madame la Première ministre, vous dites que nous ferions de l'anti-parlementarisme. L'anti-parlementarisme, c'est vous. 11-49-3 à votre actif et des manœuvres pour empêcher le vote de l'abrogation de la réforme. Les extrémistes, c'est vous. Vous avez refusé toutes les sorties par le haut que nous avions proposées, référendum ou retour devant le peuple. Jamais un gouvernement n'avait eu aussi peur du peuple. Il vous reste à comprendre qu'en démocratie, il est seul souverain. Madame la Première ministre, quand comprendrez-vous que la représentation nationale n'est ni un paillasson ni une chambre d'enregistrement des lubies du président? Madame la Première ministre, joyeux anniversaire surtout. N'hésitez pas à partir, vous, la Ve République et votre réforme des retraites. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tavel, que l'émotion soit partagée, c'est une chose. Qu'on évite la récupération, c'en est une autre. J'ai été maire, comme Gérald Darmanin, comme d'autres ici. Les menaces, les insultes, les outrages, les fake news sur les réseaux sociaux, les mises en cause, les invectives, elles viennent de partout quand vous êtes maire. Elles viennent de l'extrême droite, elles viennent aussi de l'extrême gauche.
La violence, c'est trop facile. La violence, c'est trop facile de la condamner après. Quand condamnez-vous les conseillers régionaux et les filles qui manifestent en disant « Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on peut recommencer ?» À quel moment votre indignation n'est pas sélective ? À quel moment, dans la façon dont vous vous exprimez ici, vous n'encouragez pas cette violence ? Les maires de France méritent mieux que de servir de punching ball entre l'opposition et la majorité. La vérité, c'est que défendre les maires, c'est préserver la démocratie. C'est commencer par faire attention à la manière ici dont on s'exprime. C'est témoigner du respect quand un membre du gouvernement ou quand un autre député prend la parole. Ça n'est pas seulement monter en épingle un fait divers tragique, scandaleux, où l'extrême droite est en cause dans l'espèce. C'est assumer dans tous les cas de dénoncer les scandales et c'est éviter d'appeler à la protection policière quand Jean-Luc Mélenchon explique que la police, elle ne protège pas mais qu'elle tue. C'est ça aussi la continuité. Alors au milieu de tout ça, soyez cohérents. Combattons toutes les violences, d'où qu'elles viennent, avec la même force et avec la même virulence. Merci. Et là, on fera œuvre utile pour la République. Merci et pour beaucoup, la démocratie. Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Mathias Tavel pour le groupe LFI. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mercredi dernier, Yannick Morez démissionnait. Quelques semaines plus tôt, le 22 mars, un incendie criminel à son domicile menaçait de le tuer ainsi que sa famille. Nous voulons saluer ici cet homme, cet élu local, son engagement pour ses concitoyens. Nous comprenons sa décision car elle est profondément humaine. Nous la comprenons, mais elle est une meurtrissure pour la République. Ce maire a démissionné parce qu'il était agressé par l'extrême droite et abandonné par l'État face à elle, c'est-à-dire par vous. Pourquoi a-t-il fallu plus de 10 jours pour que le président de la République exprime sa solidarité après l'incendie ? Pourquoi le ministre de l'Intérieur ne s'est-il jamais rendu à Saint-Brévin pour soutenir ce maire et le projet de CADA pourtant porté par son propre ministère ? Le sous-préfet de Saint-Nazaire a-t-il vraiment refusé une protection rapprochée à ce maire comme l'écrit Mediapart ? Pourquoi le préfet de Loire-Atlantique n'a-t-il pas interdit la manifestation du 29 avril, laissant l'extrême droite parader jusque sur les marches de la mairie de Saint-Brévin ? Est-ce M. Darmanin qui a donné ses instructions complaisantes avec l'extrême droite, lui qui trouve Mme Le Pen trop molle ? Ça suffit. Face à l'extrême droite, à son racisme, à ses violences, nous appelons tous nos concitoyens à se rassembler le 24 mai prochain à Saint-Brévin. Madame la Première Ministre, nous apprenons par la presse des projets d'attentats portés par l'extrême droite visant le CRIF, des mosquées, le rappeur Médine, Jean-Luc Mélenchon, sans que les personnes ciblées n'aient été prévenues par ces autorités. Existe-t-il d'autres menaces de cet ordre ? Quand allez-vous enfin affronter l'extrême droite au lieu de l'alimenter par votre politique injuste et de la protéger par votre inaction contre ces violences ? Allez-vous renvoyer le ministre de l'Intérieur ? Je vous remercie.